En fait, mes parents viennent d'Istanbul, sont nés à Istanbul, et ils ont une culture arménienne, mais d'Istanbul, ce qui est encore particulier. J'ai entendu vraiment parler de l'Arménie vers 17, 18, 19 ans. J'y suis allée en 92. Enfin, l'Arménie en elle-même, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment proche de moi. C'est plutôt la culture générale, une espèce d'ambiance générale, un peu orientale, qui est proche de moi. Et c'est vrai que toute la problématique dans ma peinture, c'est d'exprimer cette double culture et ce fait que nulle part je suis chez moi. Ni en France, ni là-bas, encore moins en Turquie, mais c'est un petit peu ma problématique entre moi, française, née en France, et d'origine arménienne, avec une culture un peu double. Je pars souvent sur des collages que j'ai trouvés. Il y a des photos qui me touchent comme ça, ça me donne des idées. Et souvent je pars des collages. Parce qu'en fait, ces collages, ça me donne ma petite histoire, justement. Voilà, c'est ces petites bonnes femmes. Et ben là, c'est des arméniennes de 1900. Et ça, c'est des arlésiennes de 1900. Et je trouve que finalement, on ne sait pas tellement lesquelles des deux sont les plus orientales. Tant là, c'est la France, le sud de la France, là, c'est l'Arménie. C'est bien, bien, bien loin les uns des autres. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'elles se ressemblent tellement, ces petites femmes. C'est un peu moi dans les deux. Hein. Moi, je suis la petite française et la petite arménienne. L'Arménie, le collage, etc., ça devient de plus en plus un prétexte, en réalité, pour peindre un personnage féminin qui revient souvent et qui est plus une petite bonne femme qui est très, très passive. Et en réalité, moi, j'aimerais bien qu'elle représente un petit peu l'être humain. C'est pour ça qu'elle n'a pas de visage, parce que je voudrais qu'elle soit un petit peu tout le monde. Et j'évite de la mettre en mouvement parce que, justement, je voudrais qu'elle ait un petit peu un statut d'icône dans le sens où c'est comme une poupée russe, en fait. C'est comme un symbole. Et donc, pas de visage, parce que c'est un peu tout le monde. Moi, j'aurais envie, effectivement, qu'il y ait un grand peuple qui s'appelle l'univers. C'est un peu quand je peins mes femmes avec les mondes, c'est un peu ça. C'est qu'on est tous, de ce monde-là, avant d'être français, arménien, etc., etc. Mais à la fois, je ne veux pas prêcher pour l'universalité parce que ça serait un peu trop facile, quoi. Quand j'ai fait la fac d'art plastique, c'était des exercices imposés par les professeurs, il fallait avoir des diplômes, passer le DEUG, la licence, etc. Puis un jour, je suis arrivée en maîtrise et on m'a dit, voilà, il faut que tu prépares un mémoire personnel. Et là, c'est pas évident du jour au lendemain, où c'est comme si vous deviez écrire un livre ou être auteur et vous dites, voilà, il faut parler de toi, en fait. Et j'ai travaillé sur le thème de l'accouchement. Alors, pourquoi l'accouchement? Parce qu'au départ, je voulais travailler sur le thème de la douleur, parce que je pense qu'à 23 ans, j'étais pas du tout dépressive, mais je pense que j'avais besoin de sortir quelque chose. Donc j'ai voulu travailler sur le thème de la douleur. Puis c'est pas venu, puis c'est venu sur le thème de l'accouchement, parce que j'avais une amie très proche qui était sage-femme. Et en réalité, tout ça, c'est des prétextes. Parce que je me rends compte que 10 ans après, c'est ma première œuvre personnelle. Et cet accouchement-là, c'est comme si... je me rends compte que maintenant, c'est comme si j'avais débuté une histoire il y a 10 ans, en 93 exactement, et que j'avais travaillé sur un accouchement, et que cet accouchement-là, c'était comme un peu un accouchement de peinture. Donc, je me dis que allez, on va dire que je vais vivre jusqu'à 80 ans, on va dire que d'ici quelques années, j'ai hâte, en fait, de voir ce que je vais faire à 80 ans, si je lui dis, ça, comme si j'avais débuté une histoire et que j'étais en train de la finir.
Ça, c'est mon mémoire de maîtrise. Donc, à la fac d'art plastique, je l'appelais le cercle vicieux. Ben, alors, ça me faisait rire parce que le cercle vicieux, c'est un peu le sexe de la femme, justement. Voilà une première série. Donc, je voulais absolument travailler sur... Alors, c'est pareil, c'est le côté universel de la femme. C'est pour ça que ces femmes n'ont pas de tête. Ça, c'est un peu un rapprochement à faire par rapport au travail que je fais actuellement. C'était vraiment l'enfant qui sort. L'enfant qui sort, et je voulais me concentrer là-dessus. Et parce que je trouvais à l'époque, quand j'étais jeune, justement, que c'était tellement tabou alors que c'était l'origine du monde. Voilà. Et c'est un peu comme Courbet quand il a fait l'origine du monde, justement, qu'il a fait un sexe de femme. Et depuis, ben, il n'y avait pas grand-chose... Pas beaucoup de peintres qui s'étaient intéressés à ce thème-là. Et voilà, donc, alors une femme avec trois pieds, parce que je ne peux pas m'empêcher justement de raconter une histoire, et que quelque part, cette femme-là, elle est un peu sauvage, c'est pour ça que j'ai mis un peu du zèbre derrière, et que cette femme-là, elle est un peu animale, et comme un animal, en fait, elle a trois mains, trois pieds, elle est un peu mutante, en fait. Voilà, et avec toujours une composition... Il faut dire que ces toiles font 1m50 sur 1m50, hein, on se les prend en pleine gueule, comme on dit. Hein. Mais avec une composition, justement, qui fait en plus qu'il y a une espèce de mouvement. Pourtant, les images sont très, très, très plates et il y a toujours un mouvement. Ben là, c'était une césarienne, parce que je voulais dire que ça existe aussi. Et puis, vous voyez, là, c'est un peu la représentation d'un tableau, avec les clous du tableau, comme s'il était... incurvé, et c'est toujours l'idée que ben, l'image sort du tableau, en fait. Et là, bon, avec des glaces, alors ça c'est un côté très sexuel, justement. Et puis, alors ce qui choque un petit peu, c'est les petites ballerines. Et c'est marrant parce que ces ballerines, elles reviennent dans mes toiles. J'avais pas fait, vous voyez, je viens de le découvrir. Elles reviennent dans mes toiles parce que c'est le côté un petit peu de l'enfant. Parce que c'est vrai que quand on accouche, quand on est une femme, eh ben, on est une femme à partir du moment où on a fait un enfant. Quelque part, c'est peut-être pas vrai d'ailleurs, hein. mais on est quand même une petite fille avant, quoi. J'ai fait ce travail, il faut que je dise quand même que j'ai fait ce travail avant d'avoir un enfant. Et voilà, ça c'est une deuxième série que j'aime moins, mais bon, c'était aussi l'idée de que la femme était un petit peu celle qui faisait que le monde tournait, quoi. Donc c'est des petits bébés qui ressemblent à des poupées plastiques. Et elle accouche, puis il y a une espèce de grand rouleau comme ça qui s'enroule. Et là où je l'aime moins ce travail, c'est que c'est plus une installation et que c'est pas tellement en rapport avec moi. Moi, je suis quand même plus, enfin, il me semble plus peintre. Voilà. Quand j'étais enceinte, j'ai travaillé sur Adam et Ève, avec Ève qui écrase le serpent et Adam qui s'amuse un petit peu à narguer le serpent, quoi. En fait, c'est Ève qui mène la danse, en fait, c'est elle qui croque la pomme. Puis moi j'étais enceinte quand j'ai fait ce travail, donc on voit bien qu'elle est bien ronde. Celle-ci, bah, c'est mon mari, mon fils et ma fille. Et moi je suis la poule. Ah. Voilà.
Et puis il y a une chose que j'ai beaucoup perdue et que je regrette, c'est que j'ai beaucoup perdu mon humour. C'est-à-dire que quand je faisais par exemple Mes Adam et Ève, cette série-là que j'aimais beaucoup aussi, il y avait toujours une part d'humour, c'est-à-dire il y avait toujours un Adam qui gratouillait le serpent, etc. Une grosse Ève avec des grosses fesses. Puis il y avait une composition avec toujours avec humour, même quand je faisais mes poules, elles accouchaient d'œufs. Et actuellement, ça me manque, j'arrive plus à avoir d'humour dans mes toiles, mais je ne peux pas faire exprès, c'est comme ça. Ça, c'est une série vraiment à part, vraiment de peinture pure sur la danse orientale. Une grande toile sur le bord, il m'en reste 3. De travail sur l'Arménie en 1900. C'est même pas l'Arménie contemporaine, parce que c'est plus une Arménie imaginaire qu'une vraie Arménie. Mais je sais que ça, c'est quelque chose qui est qu'un passage, parce qu'en réalité, ce qui m'intéresse, c'est le décalage, et puis c'est la notion de perturbation des images, dans le sens où tout n'est pas lisible, parce qu'en réalité, j'ai pas de vérité à dire. Ça serait trop se prendre au sérieux que de vouloir faire quelque chose de didactique et quelque chose qui raconte quelque chose de très précis. C'est pour ça que je mélange par exemple des numéros qui pour moi c'est un peu le symbole du temps qui passe, des petits carrés décoratifs, des personnages, etc. Tout ça embrouillé, c'est des prétextes tout ça, des prétextes à mettre des choses ensemble et qu'en réalité moi je suis plus issue de quelque chose d'hétéroclite, c'est-à-dire des origines hétéroclites, une vie hétéroclite, et que je ne peux pas faire une image précise. Cette image, elle est forcément hétéroclite, elle est à mon image. Les collages, en fait, c'est vrai que pour moi, ils sont nécessaires sur ces séries parce que c'est une part de réalité, parce que c'est quand même des photos. C'est-à-dire que quelque part, c'est ce qui nous rattache à la vraie vie. Et même visuellement, c'est ce qui fait qu'il y a une petite part de réalisme dans le tableau qui attire l'œil, en fait. Parce qu'après tout, c'est vraiment d'humain qu'on parle. Hein. Et le fait de coller des personnages, on se dit qu'ils sont là, ils ont existé. Ça, c'était par rapport à la liberté de parole. Je suis partie d'un livre qui s'appelle Arménie 1900, qui raconte en fait que les femmes n'avaient pas le droit de parole avant même d'être mères, voire même après. Donc il fallait vraiment qu'elle soit âgée pour qu'elle puisse parler. C'est terrible. Et en fait, elles avaient justement un espèce de bandage comme ça devant la bouche, parce que non seulement elles n'avaient pas le droit de bander, mais symboliquement en plus, elles étaient bandées. Ben, en vrai, moi j'ai fait un petit... c'est symbolique, quoi. J'ai fait une colombe de la liberté. Malheureusement, je ne peux pas peindre tous les jours, j'aimerais. Enfin, j'en ai pas forcément le besoin tous les jours, mais je sais que j'en aurai tout le temps besoin tant que j'aurai des choses à dire, en fait.
Mon objectif, ça serait effectivement de vivre de ma peinture, mais en réalité, mon objectif, ça serait de pouvoir faire que de la peinture, pas forcément en vivre. Voilà, c'est la différence, c'est pour ça que je dis être entière. Ma peinture, elle est influencée par mes origines, oui et non, parce que elle est influencée parce que c'est vrai que c'est un thème, c'est le déracinement, mais c'est, comme je disais, c'est un prétexte en réalité. Le prétexte à peindre le déracinement et le fait. Mais peut-être que je me sens peut-être pas de ce monde aussi, peut-être parce que justement j'ai le goût de la peinture, dans le sens où on vit quand même dans un monde assez cartésien, quoi. Et peut-être que finalement, mes origines, c'est un prétexte. Le vrai questionnement, c'est est-ce que je suis adaptée à cette vie ? Alors, c'est une grande question, hein, parce que moi, mon rêve, c'était toujours d'aller vivre à Papette. Ça fait partie des choses qui me font dormir, mes rêves. Mais c'est vrai, plus je vieillis, plus je me dis, c'est terrible à passer sa vie à travailler comme ça pour gagner de l'argent. J'arrive pas à trouver en fait l'intérêt à la vie, en dehors justement de peindre, peut-être.